Et donc yo les potes, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mon setup les gars. Donc avant de commencer la vidéo, j'avais fait une vidéo setup il y a 2 ans. Donc voilà, donc la vidéo que j'ai fait il y a 2 ans, elle était pas terrible les gars, donc la qualité elle était pas ouf, voilà. Donc là aujourd'hui je refais une vidéo setup parce qu'on m'a beaucoup vraiment recommandé les gars. Donc c'est parti les gars. Donc on va commencer déjà par la décoration les gars. Donc on commence par une sono les gars qui est branchée sur mon ordinateur, voilà. Donc ça permet d'avoir un super beau son avec bien sûr une déco Mario les gars. Donc franchement c'est une déco qui est assez stylée, qui va très bien ensemble, voilà. Donc bien sûr je mettrai les liens dans la description les gars. Donc ensuite je vous regarde les gars si je l'allume, hein. Voilà. Bon par contre ça fait un bruit bizarre parce qu'il n'y a pas de vidéo sur internet. Voilà, je ne peux pas mettre vraiment de vidéo sur internet. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec la lampe les gars. Donc ça je mettrai pas dans la description. C'est plutôt pour m'aider à faire des vidéos, dessins ou plein de trucs comme ça les gars. Ou surtout quand je filme ma tête, quand je fais des vidéos facecam les gars, ben c'est surtout pour faire ça. Voilà, donc c'est pas la peine que je m'achète une grosse lampe comme les gros youtubeurs qui font ça. Moi je m'achète une lampe basique les gars. Et franchement, ben, ça éclaire super bien. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve avec une petite sono, les gars. Voilà, je l'ai mis dans la déco parce qu'il était hyper stylé. Mais en vrai, je m'en sers pas. Voilà. Je m'en sers pas trop. Je m'en sers parfois pour écouter la radio, des trucs comme ça. Ensuite, on se retrouve avec ma caméra Cross Tour, les gars. Donc qui m'a coûté très très cher. Donc je répète de nouveau, je mettrai les liens dans la description. Donc ça va coûter à peu près 300 € je crois. Voilà. Ensuite là on se retrouve avec 2 petites boîtes de jeux, donc Call of Duty Modern Warfare et GTA 5, avec une petite manette de PS4 que j'utilise. Ouais, donc c'est une manette de PS4 basique les gars. Après ça on se retrouve avec un ordinateur les gars. Donc c'est, alors déjà le processeur c'est une Ryzen 5 les gars, donc bien sûr c'est pas Intel comme bien sûr les trucs connus, donc c'est Ryzen 5. Moi je trouve que Ryzen 5 ça marche plutôt bien, hein, ça marche très bien même, je dirais même que c'est mieux que Intel i5, voilà, je trouve que c'est un peu mieux. Ensuite la carte graphique, donc c'est une 1050 Ti les gars. Donc franchement voilà, donc il peut tourner des bons jeux vidéo comme Fortnite ou Call of Duty ou des trucs comme ça. Voilà, donc cet ordinateur m'a coûté entre 800 et 900 € à peu près. Donc voilà, donc je mettrai bien sûr le lien dans la description. Ensuite on se retrouve avec une télé ailleurs les gars. Donc c'est une télé basique. Et en même temps je vous remercie pour les 8865 abonnés les gars. Donc on arrive bientôt aux 9000. Voilà, pour les nouveaux nouvelles, abonnez-vous, activez la cloche de notification, voilà. Voilà, donc c'est une télé assez basique. Donc en fait, bien sûr, cette télé, je m'en sers, les gars. Donc en fait, c'est pour faire plutôt au grand écran, je pense que vous connaissez. Donc là, regardez, vous voyez la souris. Et ben, elle est sur ma télé maintenant. Voilà, hop, je peux la mettre. Voilà, donc c'est pour faire plus grand écran, les gars. Donc franchement c'est vraiment bien. Donc là c'est par exemple je live et ben là je peux mettre le chat, franchement c'est hyper bien. Ensuite on se retrouve avec ma caméra les gars. Donc ça c'est ma, je crois c'est la meilleure caméra les gars. Donc elle m'a coûté 90 €. Donc c'est une caméra, donc c'est une Logitech les gars. C'est du 1080p qui comporte du 60 fps, voilà. Voilà, donc franchement, elle marche super bien. Je vous la recommande, les gars, pour les personnes qui commencent sur YouTube, qui font des facecam ou des trucs comme ça. Ensuite, ça, c'est une facecam Microsoft, donc HD. Donc, c'est une caméra assez basique que je, voilà, que je me servais avant, que je ne me sers plus maintenant. Si je m'en sers pour certains trucs. Voilà. Donc, ensuite, on se retrouve avec ma tablette, les gars. Donc, voilà. Donc, c'est une tablette Samsung. Qui me sert aussi. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche les gars pour les nouveaux ou nouvelles. Voilà, on va rien dire les gars. Voilà, ensuite derrière la tablette, bien sûr il y a toujours quelque chose derrière la tablette, hein. Il y a un casque clim qui m'a coûté 30 € que je vous recommande aussi. Donc franchement les sons ils sont hyper mortels les gars.
Donc vous voyez, il y a des casques basiques où vous entendez juste du son. Et là, franchement, c'est un casque, genre, par exemple, vous entendez un joueur qui est à gauche, et ben vous entendez du son à gauche. Et après, ben, si par exemple, il y a de la musique à droite, et ben vous entendez des trucs à droite. Franchement, ce casque, il est hyper bien. Franchement, c'est un truc de ouf. Ensuite, ensuite, là, derrière, il y a une PS4, et là, je cache tous mes câbles, les gars, pour pas qu'on voit ça sur le setup. Voilà. On va essayer de poser ça. Oh, la vis, c'est hyper compliqué. J'espère que ça glisse, ouais. Donc voilà. Ah, je crois que je viens de recevoir un abonnement. Bah, ça, c'est cool. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je mettrai la vidéo de mon setup avant et mon setup maintenant, les gars. Pour ce setup, on va dire, de débutant, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, les gars. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent mais qui n'activent pas la cloche de notification. J'ai aussi vu, donc il y a des gens qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas. Donc il y a à peu près 40% qui est les gens qui s'abonnent et qui cliquent sur la vidéo, et 60% qui cliquent sur la vidéo mais qui ne s'abonnent pas, les gars. Donc abonnez-vous, activez la cloche, voilà. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.